à l'école, il y a un petit groupe de spécialistes sous le leadership de Matthew Roberts qui, pendant les dernières deux années, ont travaillé sur le projet Champitech. Avec ce projet, on a essayé de rendre les enfants les acteurs du projet. Champitech, qui est le nom de notre projet apprentissage digital, ça a commencé cette année d'avoir tous les élèves et les enseignants équipés avec un device mobile. Dans ce cas, c'est une iPad, mais ça peut être n'importe quel device. Les professeurs sont libérés parce qu'il est plus nécessaire que les professeurs sont collés contre leur propre tableau. Okay. In 10 minutes. And so I want you to go and explore this underside of the building and look for examples de savoir gérer l'informatique et d'utiliser le mieux l'informatique. Et c'est pas seulement pour la recherche, mais c'est notamment pour les applications qui sont disponibles. Et bien sûr, la motivation pour l'apprentissage a augmenté excessivement. Nous vivons dans un temps où tout ce qui nous entoure change. Mais tout ce qui nous entoure est aussi source d'éducation. Si vous parcourez le collège Champitech maintenant, vous observerez des classes où les iPads s'utilisent presque tout le temps, mais aussi d'autres classes où les iPads restent cachés dans les cartables. Mais on va continuer à lire, bien sûr, et lire beaucoup plus vite. Et on va consommer beaucoup plus d'informations. Avec les iPads et avec la technologie qui est disponible maintenant, les enfants, bien sûr, apprennent comment filtrer les informations et comment valider les informations qui sont disponibles. Et ça fait déjà 2-3 ans que ce projet évolue. Oui. Une grande transformation pour les professeurs plus que pour les élèves. Pour nos élèves, c'est clair, le plus que je vois, nos élèves en travaillant one-to-one avec un device mobile, que c'est leur façon de travail naturelle. Ils ne sont pas très bien formés au niveau d'éthique sur Internet. I think that there's a good and bad side, because it's now it takes time for the teachers to get used to it and prepare lessons for it, but in general I think it's going to be really good, so because we're going to be able to not only write or listen, we're going to be able to think for ourselves and do research as well in class, not always at home. Ben, c'était amusant d'être dehors et de pouvoir être en train de parler librement et pas être dans le cours, en classe. Professional, I'd say more advanced in how we sort of learned and worked, for example, today outside with maybe a bit more utility in it than just staying in class and writing a sheet of paper or something. I think it's a great opportunity that we have iPads and that we are one school in the Canton de Vaud that got to use technology in class, and I hope that this will improve.